Bonjour à toutes et à tous. Alors la politique depuis tant d'années est devenue carrément le club des incompétents majeurs. On le voit tous les jours et nous les citoyens lambda, nous sommes en fait relégués à être des abrutis ou des innocents aux mains pleines. On s'est aperçu avec ces élections européennes que malgré la propagande et tout, le président Macron avait connu un réel échec de sa formation politique parce qu'il a quand même tenu les médias tout le temps, il s'est imposé avec son premier ministre partout et résultat des courses, il a fait un score qui est mauvais. On peut le dire, il est mauvais son score. Mais ce qui est très inquiétant, c'est lorsqu'on étudie de près tous les résultats de cette élection, on s'aperçoit que la gauche est largement majoritaire en France et que les législatives, certainement que le président va les perdre aussi, c'est logique, mais la gauche, elle, ne va pas peut-être les perdre. La seule chance, effectivement, du Rassemblement national, c'est qu'il y ait un maximum de triangulaires, quadrangulaires. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui ne supporte pas le deuxième tour. C'est simple, c'est évident et c'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on a un parti comme la France Insoumise, qui risque, lui, d'avoir cette majorité grâce à son alliance avec le PS de Glucksmann et les traditionnels écolos et communistes, on comprend bien que la France d'aujourd'hui est en train de se déliter complètement et que cette France devenue vraiment raciste, antisémite, notamment grâce à LFI, eh bien cette France-là, c'est une France qui va devenir plus que dangereuse. Parce que n'oubliez pas que la religion d'amour va se croire tout permis. Et elle aura raison puisqu'on lui donne tout, autant qu'elle en profite. Et Diafoirus, pour citer le nom, va foirer. Diafarus va foirer. C'est en musique, on dit qu'il faut avoir l'oreille musicale. Eh bien, en politique, il faut avoir le sens de l'écoute. C'est visiblement ce qui manque à tous nos politiciens. Ils sont trop préoccupés par leur propre sort et pas par le nôtre. Ils ne comprennent pas les choses de la vie. Le score de Marion Maréchal, par exemple, qui est mauvais finalement, très mauvais, en regard de ce qu'elle a donné pour cette élection européenne, prouve une chose, c'est que rien ne va changer, rien ne changera. D'ailleurs, le Rassemblement national qui commet une erreur, à mon sens incroyable, de refuser la main tendue de Marion Maréchal, veut perdre. Il veut perdre, quoi. Il ne cherche même pas à gagner. Peut-être qu'ils ont des informations qui font que gagner serait très contraignant. Alors, tant que cette droite française ne sera pas capable de s'unir, aura des espèces de petits marquis qui sont là pour qui représentent rien, des 0,5%, des trucs comme ça, et qui se permettent de dire des choses, eh ben, la droite française n'aura aucune chance de revenir au pouvoir. Quoi. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou de l'ENA pour comprendre ça. C'est comme la musique, hein, c'est à l'oreille. Alors quand on fait les additions dans cette élection du 9 juin 2024, on s'en rend compte, la droite française elle est à 38%. Et le reste, ben, il est à 62%. Voilà, c'est tout. C'est simple, hein. On additionne 1 plus 1 plus 1 et ça fait toujours le même score. Et à l'annonce des résultats, il suffisait d'écouter les dialogues entre certains leaders politiques pour comprendre que rien pour eux n'avait changé et qu'eux ne changeraient pas. C'est clair et net, quoi. Les mecs de gauche, ils nous ont ressorti leur discours là sur « il faut défendre l'ouvrier, le machin, le truc, le populaire, le peuple et tout », dont ils n'ont rien à foutre. Mais rien. Hein. Ils se reçoivent dans des grands restaurants et ils n'en ont rien à foutre du peuple. Voilà, il faut comprendre ça. Mais la langue de bois est toujours à l'honneur. Et franchement, tous ces leaders politiques s'en servent très bien. Il faut reconnaître que la question langue de bois, ils sont tous très forts. Hein. Quand on voit le leader Bellamy là, du LR, après sa Bérésina, hein, c'est une Bérésina, pour un parti comme ça, de faire 7-8%, c'est une Bérésina. Et qui vient nous raconter que c'est le renouveau, que tout va bien, que l'espoir, j'en passe, je ne veux même pas le redire. On se dit, bon, bah, c'est foutu, quoi, c'est pas la peine. Heureusement, il y a une lueur d'espoir.
Diafoirus va foirer. Voilà, ça c'est sûr. Parce que Macron, là où il n'a pas compris la situation, c'est que les Français l'ont rejeté, lui. Hein? Le transfert des voix s'est fait sur le PS, là, de Glucksmann. C'est bien les voix qui auraient pu être dans le camp du président sont parties là-bas. Est-ce que ces mêmes voix vont revenir le 30 juin? Non. C'est trop court. Hein. Il aurait fait une dissolution avec une élection en octobre. Pourquoi pas? Mais là, 3 semaines, trop court. Donc, Diafoirus va foirer. Et ça, c'est la bonne nouvelle, en fait, de tout cela. Et bien qu'il soit très intelligent, bien calculateur, qu'il soit prétentieux, supérieurement ceci ou cela, Diafoirus va foirer. Et ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Par contre, la droite, elle, a déjà foiré, donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et si on regarde bien, le refus du RN de s'allier avec Reconquête illustre toute la politique actuelle niveau maternel. Et ça, c'est vraiment pour nous mal barré, comme je dis toujours, on est mal, on est même très mal, et je peux vous dire qu'on n'a jamais été aussi mal, et c'est pas fini. Adios.